Chacun de nous possède des qualités uniques. Mais lesquelles? Chez Les Activés, nous sommes là pour vous aider à les trouver. Avec le programme Authentique, découvrez votre 100% vous et maximisez votre potentiel. Alors, ne perdez plus de temps, activez-vous. J'en ai marre d'être toujours à la bourre. Qu'est-ce que vous pensez? Écoute, chérie, ils sont pas là pour enlever nos défauts, mais pour trouver nos qualités, nos talents. Tu crois qu'on en a? Moi, oui. Toi, je sais pas. M'énerve quand je fais ça, m'énerve! Alors, aucune pédagogie, hein. Zéro. Pas d'humour, zéro. Juste une seconde. Monsieur Rotin, vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci. Oui, voilà, excusez-moi. Oui. Mais ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est visiter le site. Et quand vous décidez de commencer le programme, vous nous rappelez. Je vous en prie. Au revoir. Bonjour. 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 Nous avons rendez-vous à 10h pour une inscription à votre programme d'amélioration du potentiel personnel. Pourrais-je avoir votre nom? Oui, Smail. Smail. Non, Smail. Vous pouvez me l'appeler? S-M-E-2-L. Ah, comme... En anglais. Oui, c'est ça. Comme en anglais. Voilà. Merci. Vous avez bien rempli le questionnaire? Oui, on a tout envoyé par mail. Ah, ça y est, je vous ai trouvé. Smail 10h. C'est donc Benoît qui va s'occuper de vous. Je vous laisse vous installer, il va venir vous chercher. Merci. C'est parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Chacun de nous possède des qualités uniques. Chez Les Activés, nous sommes là pour vous aider à les trouver. Avec le programme Authentique, découvrez votre... Souffle-moi sur le visage. Quoi? Souffle-moi sur le visage. Il faut quoi faire? J'voudrais vérifier ton haleine. Non, mais arrête, ça va, hein. On va pas non plus à l'Elysée, tu te calmes. C'est juste que parfois t'as des remarques. Anne! Vous êtes nouveau. Ça se voit. Quelle chance. Vous n'avez pas commencé votre nouvelle vie. Une vie où vous maximisez votre potentiel. Enchanté. Monsieur Rota. Bonjour, je m'appelle Anne et voici mon mari Patrick. Mon don, c'est de lire les gens. Je les perçois, tels qu'ils sont vraiment. Ah oui? Ouais. Et vous? Vous avez une idée de votre qualité principale? Ben, nous... Nous, on attire des barjots. Bien! Le sens de l'humour, donc. Vous voyez? J'ai une idée de votre qualité principale. Monsieur et Madame Smail, je suis Benoît, votre coach. Si vous voulez bien entrer. Vous allez voir. L'aventure ne fait que commencer. S'il vous plaît. Les Activés, bonjour. Oui, justement, en ce moment, nous avons une offre spéciale faite des mères. Un programme acheté, un programme offert. Mm-hmm. La formule basique dure un mois. Vous avez un coach personnel, vous travaillez avec lui pendant une semaine, et à la fin du programme, vous avez un bilan complet. Et je vous en prie, bonne journée. Il va encore me briser les noix, lui, je le sens. Il va encore me parler de ses soi-disant qualités qu'il a toujours pas trouvées d'ailleurs. À croire que le programme marche pas sur lui. Je t'ai déjà demandé de faire en sorte qu'il m'ignore. Mais tu m'écoutes pas, hein? Hein? Oui, monsieur Rotin? Vous venez de faire un aparté, là. Oui. Ah, vous y croyez, vous, à ce genre de truc? Ça me coûte rien de le faire, hein. S'il y a quelqu'un qui m'entend, tant mieux. S'il y a personne, tant pis. Je veux dire... Pour vous, c'est quoi? Ça sert à quoi? Parce qu'il y a tellement de légendes sur les apartés. Ah, vous savez, c'est personnel. Du coup, je me disais, oui, comme on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas, voilà, à quelle légende croire, je me dis, en fait, ça peut être plein de choses. Par exemple, il y a des gens qui l'utilisent comme un exutoire. Ouais, il y a besoin, paf! Il y en a d'autres, c'est plus comme un journal intime, je pense. Et même pour tout vous dire, moi, je connaissais un type. Il était persuadé que chez eux, il y a des gens qui nous observent en permanence, tout le temps, comme ça. Et que du coup, quand on fait un aparté, en fait, c'est comme si on leur parlait à eux directement. Alors du coup, ils se sentaient obligés d'être drôles tout le temps. C'était super lourd au quotidien, mais bon. Il y a vraiment des tarés. Ouais, c'est clair. Et très gentil, hein, mais vraiment pas avec la lumière à tous les étages. Quoi. Tu sais, on peut se tutoyer? Ouais. Bon. Je viens là depuis un mois, tous les jours. On se dit bonjour. Je te regarde, je t'observe. Je t'appréhende visuellement.
Et je me dis, je connais pas ton prénom. Ça t'avouera que c'est totalement inadmissible. Je m'appelle Huguette. Pardon ? Huguette. Ah, Huguette. Bon, bah, Huguette alors. Bah ouais. Monsieur Rotin, vous venez avec moi ? Oui. Salut Huguette. Bon. Y a quelqu'un ?